respectifs, je vous salue. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes là tous pour le lancement officiel de la chaîne Star TV, la chaîne culturelle. Il ne manquait plus qu'une chaîne dédiée uniquement à la culture congolaise, comme Madame Alexandre aime bien le dire. Ça c'est pour sur la rue. En deuxième, on a Vous êtes conviés, qui est présenté par Madame Emeraude, ici présente, qui est en fait une émission qui est complètement dédiée aux événements. C'est-à-dire, vous avez un festival, je tiens à remercier vraiment de manière inconsidérable M. Paty Ambroise. Welcome, bienvenue dans ce cadre spécial du restaurant Mood qui nous reçoit ce soir, qui fera office d'une maternité qui va voir naître un bébé de télévision, Star TV. Qui est une importance particulière pour moi. Malgré ces 30 ans de carrière, je dois dire un secret aujourd'hui, c'est très perturbant pour moi à chaque fois que je vois des gens qui le reconnaissent. Et je tenais à lui dire que cet événement, le développement de la chaîne, l'acharnement, c'est en partie pour lui. C'est en partie pour lui parce que il a tout fait pour être la réussite qu'il est pour ce pays. Et le but de tout ça, je pense qu'à la fin, c'est quand même de pouvoir tenir cet héritage. Donc, le mot que je voulais lui dire, c'est pas parti. Tu vois, et beaucoup. Et tu travailles encore. Si tu décides de te reposer, j'aime pas mettre les nœuds papillons, vous savez. Je l'ai mis aujourd'hui parce que quand on se bat dans la vie, on a souvent envie de réaliser ses rêves. Et vous savez, ma fille, c'est ma petite princesse, c'est mon amie, c'est un peu le double de moi-même. Et je ne l'ai pas beaucoup vue. Je ne l'ai pas beaucoup vue parce que je suis tout le temps parti. Je ne l'ai pas vu grandir. Et souvent, quand je l'entends parler comme ça, j'ai l'impression que je découvre quelqu'un d'autre. En fait, en réalité, je me retrouve en elle. Cette réalisation qu'elle vient de faire, elle avait créé sa société à Paris, de communication, et je n'avais jamais été dans son bureau. Quand j'étais de passage, je suis allé, il m'a invité, je suis allé voir ses employés et tout ça, je me suis dit, moi, avec quelqu'un qui a une société et qui a des enfants, enfin, des employés.
Et quand il est venu ici, il m'a dit, papa, je vais faire la même chose à Kinshasa. C'est-à-dire faire de la communication, faire de la télévision. Je lui ai dit que c'est difficile ici, qu'il y a beaucoup de méchanceté, que c'est pas évident. Elle m'a dit, elle va le faire. Elle l'a fait aujourd'hui. Et je lui dis, bienvenue dans ce monde très difficile, dans ce monde de la méchanceté constante. Chaque jour, c'est un combat. Je tiens dans un premier temps à remercier Excellence Monsieur le Ministre Batimou Yaya pour être venu encourager sa sœur. Voilà. Tout ce que je peux dire que, madame, nous vous accueillons dans notre monde de Kinshasa, que Kinshasa rayonne à travers Star TV et que pour moi c'est une fierté. Et que cette fierté soit partagée par tous. Encore merci d'être venu pour ce moment. Vous savez, il y a des moments comme ça. Jacques Chirac avait Claude, Sassou avait Coco Claudia, Bongo avait Pascaline, je pense. Et Jelka à Alexandre. Et toutes les merveilles que nous avons. Merci. Merci. Oh!